Futuroscène, le festival du numérique, accorde cette année une grande place au sport connecté. Et parmi les startups qu'on a croisées, on a sélectionné Footbar, qui présente le tracker pour footballeurs Météor. Jusqu'à maintenant, les trackers d'activité étaient plutôt réservés à des pratiques individuelles, comme la natation ou le running. Aujourd'hui, ils débarquent dans les sports collectifs. On en apprend un peu plus avec le fondateur de Météor. Météor, c'est un tracker d'activité physique assez classique, un peu comme ce qui existe déjà pour les bracelets de joggeurs. Donc c'est un accéléromètre qui est placé au niveau du mollet du joueur et qui va mesurer en temps réel toute l'activité et les déplacements du joueur. On peut analyser toutes les courses du joueur, donc à savoir comment il court, la distance parcourue, ses vitesses, pointes de vitesse, la variété de ses courses, mais aussi analyser le rapport du joueur au ballon, donc détecter les touches de balle, mesurer la force de frappe du joueur, évaluer sa possession de balle, etc. Détecter les passes entre les joueurs sur le terrain. L'idée, c'est que n'importe quel joueur, dans quelle que soit la situation, puisse évaluer ses performances quand il joue au football et avec des outils de qualité professionnelle mais accessibles partout en France et pour n'importe quel budget à tous les joueurs. L'enjeu là, c'était d'être capable d'analyser le rapport du joueur au ballon, donc de bien détecter les touches de balle, de ne pas se tromper et de savoir quand est-ce qu'il frappe, quand est-ce qu'il tacle, quand est-ce qu'il saute, quand est-ce qu'il fait une passe, quand est-ce qu'il est juste tombé, de faire la différence entre tous ces événements. Et donc ça, c'est notre gros boulot sur les algorithmes, c'est ça que nous avons développé. Alors ça pourrait intéresser des joueurs de football professionnels, à savoir qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont déployés, mais qui ne font pas forcément de rapport au ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les stats des joueurs à la télé, l'essentiel du temps, c'est traité manuellement. C'est des gens qui comptent le nombre de passes à la main. Et donc, avec notre outil, il serait possible d'automatiser totalement la collecte de cette information. Et donc, bien évidemment, sur ce texte-là, ça pourrait intéresser les structures professionnelles. Pour le moment, Météor est réservé à la pratique du foot à 5 en intérieur. Mais ses fondateurs espèrent bien le généraliser sur les terrains en extérieur. Et moi, il va falloir vraiment que je m'entraîne avant de pouvoir marquer un but.